Depuis les années 1950, on nous a enseigné que notre vie est contrôlée par nos gènes. Affirmer cela signifie que nos gènes s'allument ou s'éteignent à leur gré, qu'ils contrôlent notre caractère, notre comportement et la qualité de notre vie. Lorsqu'on dit cela aux gens, ils peuvent croire qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur vie, mais qu'elle est plutôt contrôlée par leur hérédité. Si je leur demande ⁇ Avez-vous un libre arbitre, une liberté quelconque ?⁇ Ils me répondent que non, que tout est déjà programmé, que leur vie est déjà programmée par leur génétique, leur maladie, leur longévité, autant que leur capacité à être heureux. Je leur dis que si c'était le cas, ce ne sera pas leur vie, mais un programme qui s'exécute sans qu'ils ne puissent rien y faire. Alors si quelque chose ne va pas dans notre vie, on croit qu'on n'est pas responsable, que c'est notre programme qui a un problème. Donc, on aura recours à un médecin et on lui dit que notre système ne fonctionne pas bien, je ne suis pas heureux, je ne suis pas en bonne santé. On lui demandera s'il peut nous réparer, ajuster la mécanique. Tout cela est basé sur une croyance qui est fausse, celle voulant que nos gènes s'actualisent eux-mêmes, comme on le dit en anglais, qu'ils s'allument, qu'ils s'éteignent et se contrôlent par eux-mêmes, qu'ils dirigent notre vie au détriment de notre volonté. Alors si notre vie ne se déroule pas comme nous le souhaitons, si nous ne sommes pas heureux, on prétendra que ce n'est pas de notre faute, que nous n'y pouvons rien, que nous n'en sommes pas responsables, que nous sommes victimes de nos gènes. Eh bien, cette idée est complètement fausse. Les gènes ne contrôlent pas tout. Les gènes sont des plans, des modèles, comme lorsqu'on construit une maison. Si vous allez chez un architecte et que l'architecte vous montre des plans, si vous lui demandez, votre plan pour ma maison se met-il en marche, et quand s'arrête-t-il L'architecte vous répondrait, mais voyons quelle idée, ce ne sont que des plans. Voilà exactement ce que sont les gènes, des plans. Ils ne s'allument pas et ne s'éteignent pas. Ce que vous devez réellement savoir, c'est qui lit le plan, qui est l'architecte de votre vie. Parce que c'est l'architecte qui prend en charge le plan, les gènes. Il s'avère que c'est notre conscience, notre esprit qui sélectionne les gènes. Et si nous changeons nos croyances, nous changeons notre esprit. Nous changeons toute notre biologie.